je suis Mathieu Prouillac, paysan brasseur à La Plume et l'Épi. Je brasse la bière de La Plume et l'Épi depuis 2013. Je m'étais installé à l'origine avec Jean-Philippe Gonzalez à Coursac. Et là, ça fait depuis 2016 que je suis propriétaire à Grignoles, à Bruck, de la brasserie La Plume et l'Épi. J'ai choisi de faire une bière paysanne parce que je voulais maîtriser le processus de production de bout en bout, donc c'est-à-dire faire pousser l'orge dans le champ et fabriquer une bière à partir d'une matière première que je connais, que j'ai fait moi-même. La différence entre une bière paysanne ou une autre bière, qu'elle soit artisanale ou industrielle, c'est la manière dont le malt, la matière première pour faire la bière, a été obtenue. Donc voilà, je cultive l'orge et je fais faire un malt à façon à partir de mon orge. Je fabrique de la bière à partir d'une méthode très traditionnelle, hein, avec une filtration par gravité, avec un outil de brassage que je me suis fabriqué sur mesure, avec des marmites de cuisson. Voilà, vraiment, tout est fait maison. On va trouver les mêmes ingrédients dans une bière paysanne ou dans une autre bière, dans une bière biologique ou quelle qu'elle soit. C'est la façon de les faire qui sera différente. Après, je travaille en agriculture biologique, donc il n'y a pas de pesticides qui est utilisé ou des engrais de synthèse pour la production de l'orge qui sert à faire ma bière. Il n'y a pas de différence de fabrication à proprement parler, si ce n'est peut-être les quelques produits qui pourraient être utilisés, des fixateurs, des choses comme ça, mais j'utilise aucun de ces ingrédients, hein. Je me base sur les ingrédients principaux de la bière, donc c'est du malt, de l'eau, du houblon, et de la levure.
La bière que je fabrique, je la fais à partir d'un malt que je fais pousser moi-même, un orge que je fais pousser moi-même. Et j'interprète à ma manière ce qu'est une bière. Et j'y mets un peu de mon âme. Alors voilà, ça fait que c'est une bière singulière. Une bière paysanne a tout à fait sa place dans le marché, à côté de d'autres bières artisanales ou même industrielles. Il en faut pour tous les goûts. À la plume et les pipes.